On reprend, ça va prendre 3 heures à charger comme d'habitude, hein. J'ai fait planter, non, c'est bon. Ça tourne, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Bon, eh ben quand même. D'ailleurs, hier j'avais oublié de faire ça, c'est mettre hors ligne, parce que je sais pas, j'ai l'impression que des fois ça marche mieux. On met le mode. Canfin. What? Ah oui d'accord, parce que j'ai appuyé sur une touche, ça a fait supre. Voilà. Je suis désolé, application. Bleh. Allez, installe le mode, installe le mode. Est-ce que je vais finir par trouver mes deux foutus bandits? Maybe. Je n'en sais rien. Peut-être que oui. Peut-être que non. On saura ça dans une minute. Enfin non, pas dans une minute, parce que. Pas dans une minute qu'on va le savoir. C'est dans je sais pas combien de temps. C'est dans je ne sais combien de temps. Mais c'est pas grave. On fera avec. Parce que je voudrais en fait lâcher ma stupide arme qui est nulle, hein, et me mettre une troisième arme qui est un peu mieux que ce que j'ai. À l'heure actuelle. Soyons honnêtes. Ok. Alors. Est-ce que le jeu, tu vas être sympatoche et me donner. J'ai pas assez de balles. Et me donner des balles déjà. Préviens-moi si quelque chose te plaît. Satisfait ou remboursé? Et me donner des bientôt. balles. Voilà, 600 balles. Alors, voyons ce qui pop. Hein, parce que c'est ça le plus fun, hein, c'est de réussir à faire popper des trucs. C'est de faire popper des choses. Bonjour, nomade brutal. Es-tu considéré comme un bandit? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. La chance, c'est que j'arrive à te toucher. Non. Alors, toi, tu n'es pas. Oh là, oh là, oh là. Mon conseil, affaiblis-les avec une arme non élémentale, puis achève-les avec une arme incendiaire. Donc, ce fusil à pompe, je croyais qu'il était bien. Il est peut-être bien en soi, mais. Ah non, pas Rackman. Rackman, il invoque des trucs. Je le tue vite. Il invoque des petits quand il meurt, non? Nabo. Je pense que le Nabo, non, ne fait pas partie. Ça m'étonnerait. Bon. Je vais considérer que tu es nul. Oh, il y a un transporteur. Magnifique. Ah. C'est nul comme arme. Ah oui, c'est nul parce que. Pff, oui, bah oui, c'est nul. Parce que tout vient d'être remis à zéro. Tout vient d'être remis à zéro. Forcément que c'est nul. Hop, je prends le snipe. Bon, je garde ce flingue incendiaire, il est très bien. Je prends ce snipe qui va faire le taf, lui. Pas plus, normalement. Excuse-moi, hein, je m'occupe de toi dans 2 secondes. C'est nul, ok. J'adore ce gun. Qui, quoi? Mais d'où vous venez? Where are you coming from? Vroom, est-ce que tu es un bandit? Ah. Tu me laisses 2 secondes et on en discute. Hein, je recharge. Il me laisse 2 secondes. Vroom, tu es où? Non. Bon.
Le bordel est absolu. Le bordel est absolu. On commence bien, hein. On fait ça comme il faut. Encore Rackman. Oh, mais arrête de me donner Rackman. Il est mort. Tué. Bien. Alors, parce que c'est pas tout ça, mais... Eh non, il est pas mort, hein. Petit con survit. Voilà. J'ai battu le plus chiant, celui-là qui invoque les autres. Il y en a un qui a volé. Ouais, bon, là, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur comme un bébé. Ah non, ça c'est dur, dur d'être un bébé, pardon. Bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de bandits. Ça m'a l'air très improbable. Très, très, très improbable. Ah! Nous avons une Saturne. Et pas la console de jeu. Bon, mes guns sont un peu nuls. J'aurais besoin de mieux. Excuse-moi, hein, Rakanov, hein. Je vais te tuer, mais ça va prendre 2 minutes. 2 minutes. Enfin, on va essayer. Allez, recharge. Et je vais plus avoir de balles, donc je vais l'avoir bien dans le baba. Cool. Vachement pratique. Bon, on va aller faire un tour en magasin. Avant de plus avoir de fric. Là. Avant de plus avoir de flouze. Sentinelle déployée. Bien, c'est qu'il y en a, ils gardent leur vie. Donc c'est pas vachement pratique pour moi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un mode de grenade un peu plus performant? Ou un snipe un peu plus performant? Voir. Apparemment, non. Non. C'est toujours de buter Hyperius. Eh, Rakanoth! Tu attaques le plafond, pas moi. Voilà, déjà. Bye. Mais qui fait ça? Qui s'énerve à m'envoyer des trucs? Mauvais. Très mauvais. Le gars, il est tellement mauvais. Allez, la tourelle, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux sur ton distance. C'est juste une question de ça. Fais ce que tu peux. Dans la situation donnée. Pistolet nul, ce bouclier est nul. Qui me tire dessus? Toi? L'hélitransporteur? Que tu te craches. Pas qui me tire dessus, mais c'est vachement chiant. Et j'ai plus de munitions. Allez! On fait ça bien! Mitrailleuse est sortie! Ah, je l'ai eu! Oh, c'est un bandit! What? Il y avait un bandit dans le lot! Ok! Ah bah, je suis content. Ça me fait plaisir. Ma tourelle a réussi à tuer. Bon, il y a énormément de stuff par terre. On va checker tout ça, hein, parce que... Pourquoi pas. Mode, c'est pas pour moi. C'est pour zéro. Ça, c'est pour moi, mais ça m'intéresse pas. Patati patata. Est-ce qu'il y a mieux que ce que j'ai sur moi? Est-ce qu'il y a mieux que ce que j'ai sur moi? Bon, j'ai des trucs, mais c'est pas la folie, quoi.
Pas de grenade, pas de grenade, non, non, non. Oh. Donc, excusez-moi. Oui, alors le machin qui me fait m'envoler, c'est vachement pratique. Tourelle déployée. Il me faut des balles. Pardon. Ah. Bien, ma tourelle est sur à peine pas du tout. Prospecteur, et tu un bandit? J'en sais rien. On va te mettre une balle dans le pied et on va te défoncer. Tu survis, bien. Ça fait plaisir. Je voudrais te finir avec mon autre gun. Excuse-moi. Charge les mecs. Excuse-moi, est-ce que t'es un bandit? T'es considéré comme un bandit? Non. Bien dommage. Bien dommage, bien dommage. Bien dommage, bien dommage. J'en suis fortement attristé. C'est nul. Oh, c'est peut-être mieux ça. Oh, c'est mieux. Le meilleur sniper. Oh oui, il a l'air de faire des meilleurs dégâts. Ce qui est cool. Les grenades sont affreusement nulles. Ça devient affreusement. Le mot n'est pas anodin. Deux secondes, je te tue. Et attends un petit peu. Sentinelle déployée. Allez tourelle, on peut faire le taf. On détruit toutes les tourelles. On fait ça bien. Oh, j'adore, il y a tellement d'iridium. Hein. Qui m'attaque? Oh, pardon. Excuse-moi, je t'avais pourvu. Ah. Alliance l'invincible. Bien. Bon, je suis pas assez pété à ce point. Ouais. Oh, toi t'es un bandit ou pas? Ah mon petit lit. Bon, dommage, je saurais pas. Bon, allons checker une autre zone. Non, les digistrucks, je sais. Ah, os charnu, maybe. Non, os charnu, non, non. Non, non, non. Trouvons un mec qui ressemble à un bandit. Qui donne l'impression de se dire, est-ce toi, tu serais pas un bandit? Ils sont tous tellement trop forts, c'est étonnant. Genre, je lui mets des critiques, le mec, et ça le descend pas. Hein. Genre, il est solide. Hein. Solide, l'os charnu. Hein. Mobley, maybe. Maybe Mobley est un bandit. Mobley, viens là. Viens papa. Viens papa, petit Mobley. Non, non, te barre pas. Te barre pas. Mes fils de... Il est chiant. Non, 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 non. Il est chiant. Il est chiant. Non. Je suis désolé. Hein. Là, il était énervant. Bon. Alors, on va racheter des balles.
comme d'hab, hein. On perd pas les bonnes habitudes, l'achat d'armes, l'achat de barres. Bonjour pour le capitalisme. Mon millionième passe le mot. Munition Martius. Martius. Ah bah tiens, Hyperius, le soldat d'Hyperius, il est parti. Apparemment tout ceci n'était pas intéressant pour lui. Oh, vraiment que je largue cette arme et que je m'en mette une meilleure. Alors toi, je sais que tu n'en es pas. Quoi ? Quoi ? Mais c'est pas une arme e-tech ? What ? Mais c'était pas une arme e-tech ? Qu'est-ce qu'il a fumé ? Non, Ah, vous avez tué l'autre mec ? Alors, du coup, je peux enfin bazarder ça et mettre une arme incendiaire. Oh, c'est une wave incendiaire. Original. Oh oui, il est résistant. Ce beau bordel. Et en plus, je fais l'autre mission. Oh, c'est pas parfait, ça. Qui s'énerve là-bas ? Attends, vous autres, l'assassin, tu m'énerves. Ouf, l'assassin, pardon. Oui, ta chair et brûle, en effet. Mon crâne. Hey, crâne. Oh, mon dieu. C'est bon ? Bien. Bon, du coup, mon arme la plus faible, c'est ce pistolet. Potentiellement. Ouais, le pistolet est moins bon. Mais le pistolet est incendiaire, et s'il est incendiaire, c'est une bonne chose. Willy, Willy, Willy. Tu peux te calmer. Ah oui, bon. Tu peux checker enfin mes armes là. Oh. Donc, il y a un tas de cendres. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Un petit tas de cendres pour l'autre mission. Ah ! Est-ce que ce pompe est meilleur ? Non. Ben. Il a disparu. Oh, l'enculé. Il se rendait invisible ? Oh, ce petit coquin ! Qui a décidé de se rendre invisible ? Bon, du coup, je vais aller valider l'autre mission. Enfin fini, hein, une mission enfin terminée. Ça va tellement me faire du bien de plus avoir cette arme. Je vais pouvoir limite avancer dans les autres missions, parce que les autres missions... Toutes les missions sont un peu secondaires et un peu faisables. Peu importe le moment, peu importe l'instant. Juste en étant... En faisant des actions que je vais faire, quoi qu'il arrive. C'était compliqué, mais je l'ai fait, mais j'ai réussi, mais c'était compliqué. Battre des bandits, c'est vrai, genre, ah, oh, battez tel truc avec telle arme. Quoi ? Pourquoi ? Parce que, mais non, je suis pas d'accord. Ah, t'es d'accord quand même, mais non, je t'ai dit. Allez, Hammerlock. Hop là. Garobo n'est pas très heureux, mais je trouverai mieux avant la sortie de mon almanach, j'en Pons. Suis persuadé. C'est nul, comme arme. Allez, on va finir la mission de Z, qui était fortement chiante, disons-le, c'était fortement... J'ai rien du tout. Non, pas de high five. Bon, bah, va te faire mettre. Robot de mes deux.
Après, je pense que je vais checker quelques shops, quelques trucs, parce que en vrai, il y a moyen que j'ai mieux ou j'ai moins bien. En arme incendiaire, il me faut toujours que je garde une arme incendiaire. Ça va être l'obligation. Va falloir que je m'oblige à me dire, je garde une. Alors, bouclier, y a-t-il mieux ? Non. Bouclier, mode. Ah, c'est mode, comment classer ça? Ok, ça va. Mode de grenade. Mode de grenade. Ah, moi j'attends qu'il me dise que c'est mieux. Je sais pas comment il va me le dire, mais il va me le dire à un moment. Hein. Checkons les armes, checkons les trucs. Checkons check-off. Évitons tout malentendu. Hop, non. Oui, la plupart de ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers. Malchanceux. Enfin, j'ai des roquettes. Ah, un meilleur mode de grenade, dis donc, ça arrive. On est jamais assez bien armé. Est-ce qu'il y a une meilleure arme incendiaire? Je vais tester le lance-roquette, on sait jamais. Est-ce qu'il est mieux que celui-là que j'ai? J'y crois pas, voilà. Alors, greu, nanade. Attention à ne pas utiliser en intérieur. Les cas dépendent du niveau du joueur. Ah oui, d'accord. Ok. Spécial, hein. C'est spécial. Et le dernier shop pour checker. Pour checker le bordel. Le jeu qui a tellement du mal à tout charger. Cadence de tir équipe. Oh, fais voir. Est-ce qu'il est pas... Qu'il est pas plus cher ou mieux ou j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai sur moi? C'est un temps de latence? Ouais, temps de latence. Je me dis temps de latence, c'est pas mal quand même. En vrai. Temps de latence, c'est pas mal. Non. Lance écarlate. Je n'ai qu'une seule question. Vous posez une seule. Quoi? À une époque, nous étions... D'accord. Pourquoi cette touche pour aller dans le magasin? J'ai beau être rapide, tous vous voir à Sanctuary. Je sais que vous êtes oh, là, le beau lance-patate. J'avoue, lui, il va être quali. Je sais que l'armée de Jack balaie cette planète comme une terrifiante dent. Là, par contre, je pense que ce lance-roquette est beaucoup mieux que mon lance-roquette. Elle ne laisse que des ruines dans son sillage. Quand j'ai rejoint la lance écarlate il y a quelques années, on m'a dit que je me battrais pour protéger les faibles. Pourtant, vous le savez aussi bien que moi, ce n'était qu'un mensonge. Mais je vais faire 2-3 coffres. Si nous ne faisons pas preuve d'unité, on va regarder s'il n'y a pas mieux. Hein. Pas cette ville de l'armée de Jack, nous sommes perdus. Je m'appelle Roland et je n'ai qu'une seule question à vous poser. Êtes-vous avec moi? Alors. Il est mieux que mon autre sniper, donc c'est cool. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pourri. Oh, des beaux guns. Bon, moins bien. Mieux, mais pas... Mais malheureusement, pas... Pas incendiaire. Le sniper n'est pas incendiaire, non, lui. T'achètes ou tu tires aussi sec? Et j'ai plus assez. Allez, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Descendre. Tuer Bolt à un moment. Ah non, c'est peut-être un ennemi particulier. Bon, du coup, je vais y aller. Tu as déjà simulé ta propre mort? Pas facile. Je l'ai fait il y a 2 ans pour semer les tueurs d'Hyperion. Je pense qu'il faut que j'y aille quand même. Un bandit m'a espionné tout ce... Je vais y aller quand même parce que même si c'est pas lui, il faut que j'en bute un. Il faut que je bute quelqu'un en particulier, je suppose. Donc le fait de devoir buter quelqu'un en particulier rend la chose obligatoire, je pense. Je crois que ça m'oblige, c'est comme aller buter machin, c'est pas le buter sur la map, c'est le buter. À moins que peut-être quand je le croise de manière pas naturelle, ça marche quand même, mais si je vais là où il est censé être, le mob, même si c'en est un autre, c'est un autre skin, un autre perso, ça doit quand même marcher. Peut-être pas.
J'en sais rien. J'en sais rien. Attends, je vais vendre mes guns. Les flags, merveilleux. La merde. Au moins que je fasse mieux, mais... Non. Non. Et non. Repassez plus tard pour voir... Je m'en doutais. Vas-y, on prend le sunskiff, ça me fait marrer. C'est absolument pas adapté à la zone. Ça me fait bien rien. Il est buggé du cul, le machin. C'est buggé au possible, mais c'est ça qui est drôle. Bonjour. Je suis là pour vous cramer. Mais il crame déjà? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Oh, par contre, il est violent. Oh, le petit salaud, il en veut. Il en veut, le petit salaud. Il se passe des trucs mystiques. Je sais pas qui se bat contre qui. Enfin, il y a une espèce de truc qui se passe. Je crois qu'ils se battent à moitié entre eux, pour certains. Ah, il est là, bol. Dis donc, il est vraiment là? Oh bah alors... Pas de bol? Enfin si, j'ai du bol. Bol, lit... Je lis absolument rien de ce qui se passe à l'écran. Soyez-en conscients que c'est le bordel. Et que je fais au mieux pour... faire vite pour nettoyer l'écran de tous ces problèmes. Problème étant les mecs. Excuse-moi. Ouah, c'est quoi ce snipe? Oh, ce snipe qui veut rien dire. Oh, le snipe qui veut absolument rien dire. What? Et en plus, ça tire plusieurs fois, c'est abusé. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc de malade? Que tu crames bien. Tu crames bien, bien. Excuse-moi. Ouais, reste devant moi, c'est bon. J'aime. Et bah voilà. Et bah, je pensais vraiment pas que ça passerait, mais... L'écho... Chez Hyperion, nous sommes sceptiques. La mort de la hors-la-loi Lilith a été confirmée après la libération. Oh, de cool, Lilith. Un véhicule que... un skin que j'avais pas. Vos enregistrements avant de procéder au paiement. Laissez ces messages écho dans les endroits mentionnés ci-après. Trouve ces échos. Si Hyperion découvre que je suis en vie et avec les pillards écarlates, il risque de nous refaire le coup de New Haven. Bien, madame. Oui, madame. Ramassons des balles, parce que les balles, ça se perd. Très vite. Très vite, très vite. Bien, 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 bien. Une affaire qui roule. C'est une affaire qui roulette. Là, alors, on va déjà aller faire celui-là qui est là-bas, parce qu'il est chiant. Wow, bonjour Saturne. Ça roule, Saturne. Excusez-moi, je vous tue, Saturne. Ça va me prendre 2 minutes. Sans que je meure, s'il vous plaît. On essaye, hein, on fait au mieux, hein. On fait au mieux, on fait au mieux. Je roule sur des trucs, des fois. Il se passe des trucs un peu bizarres, mais... Hey. Saturne en moins, bien. Maintenant, butez tout ce qui est plus petit. Ou pas.
Ah, on se casse. On se casse, c'est dangereux. Oh, un coffre. Moins bien, moins bien. Bien. Il se passe des trucs de fou. Cassons-nous. Cassons-nous, c'est dangereux ici. Aïe, aïe. J'adore cet endroit. Hyperion t'y retrouvera jamais. Merci. J'ai essayé de le rendre aussi. Lec possible. J'allais dire ravissant. T'as attaché les cadavres carbonisés de bandits autour de l'entrée. Certains cadavres sont ravissants. J'adorais notre maison à New Haven. Il faut que j'y aille. Bien joué. Allez, je peux y arriver. Je puis survivre. Soyez-en sûrs, je vais survivre. Bon, je vais essayer. Je vais essayer de survivre, surtout. Bien, c'est que je peux rien toucher avec ça. Alors, avec ça, c'est pas mieux, je pense. C'est-à-dire que je peux toucher, mais c'est un peu quand même au pif. Hein. Et le lance-roquette, qu'est-ce qu'il envoie ? Ok, il envoie une roquette à 3 à l'heure. C'est vachement pas pratique. Ok, on se casse. On va se planquer sous les rochers, parce qu'on est comme ça. On laisse Tourelle faire joujou. Tourelle aime bien s'amuser, il sait tuer des trucs qu'elle peut pas tuer. Voilà. Elle fait pas des dégâts de fou, mais elle fait des dégâts. Bonjour. Ça va? Tu me sautes dessus aussi? Non mais... Cible repérée. Non mais, le nain, là. Canine. Genre, gentiment, hein. T'as une dent contre moi, Canine, je crois. Plein d'argent, plein de balles. Et beaucoup, et bientôt plein de problèmes. ça va arriver dans 2 minutes. Où je vais toucher des mecs qu'il faudrait pas que je touche. Et un seul gosse géant. Et Arizona. Bien. Coucou, panier. Mais viens là. Papa, il est content de te voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh bah, Arizona est tranquille, donc c'est cool. Nul. Bien. Nul. Voilà, un petit critique. 2 petits critiques. Je te pète tous tes orifices. Excuse-moi, 2 secondes. Je te tire dans les fesses, hein. Tu m'attends? Bouge pas. Oh, t'as bougé! Bah, t'es pas mort! Voilà! Parfait! Pistolet des fritures! Bah, t'as eu chaud les fritures! Je tire dessus! Je le vois pas, le porteur, oui! Voilà, merci! Excuse-moi, je te vois pas! Oh, toi, tu vas me faire chier! Donc, je vais sortir. La grosse artillerie! Voilà! Oh, aussi, j'ai une arme qui fait un truc de folie. Bien fait. Ok, après avoir fait tout ça, je regarde. Merci, merci, merci. Parfait, parfait. On ramasse le tas parce qu'il y a des babales dedans. Et aussi de l'iridium, c'est bien. Ça me dérange pas du tout. Ça ne me dérange absolument pas. Le beau Jack. Ah. Je ne savais pas que le beau Jack aimait se balader, hein. En vrai. C'est sympa, hein. Bon, chef Goudarm, c'est... Excuse-moi.
Salut Jack. Salut Jackie. Jackie, tu peux crever. Tu peux cramer. Jack. Je crois qu'il riait un peu, du coup il avait peur. C'est con hein. T'es où? Merci. Nul. Dis donc, vous donnez pas du bon stuff, en même temps c'est pas la bonne zone. Peut-être qu'il faudrait que j'avance dans le jeu pour avoir des armes de plus haut niveau. Ah, un bandit. Oui, un bandit qui a cramé. Parfait. Alors je le fais au pif, hein. Franchement, des fois je vais avoir cramé des gars, des fois je vais avoir cramé personne. Ça va être au pif, hein. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Moi, Lily arrête de gueuler. Ah, c'est pas bien, hein. Oui, mais faut les cramer. Oui, mais bon. Capitaine! Oh, le capitaine Flint aime le feu! Si peu! Le mortier, pourquoi tu prends pas mes balles? Bon, crame! Allez, fini de mourir. Yes. Le beau jeu. Ouais. Les grenades qui sont tellement nulles. Les grenades qui sont tellement aux chiottes. Porteur badass que je brûle. Oui, on peut brûler un robot. C'est pas improbable. C'est pas improbable de brûler un robot. Aussi, je peux te taper. Hein. Et voilà. Oh, pas de meilleure arme incendiaire. Je suis déprimé. Bon, faut que je trouve une voiture. Parce que c'est pas tout ça, mais une voiture, ça serait bien. Une voiture, ça serait pas mal. Pas mal. Donc on va aller récupérer un véhicule. On va se mettre bien. Et comme ça, au moins, tranquille. Acheter des balles, limite. Ne pas s'attaquer au truc. Bien que je dois y aller après, bon bah du coup j'y vais. Ah, Saturne, bouge pas. Il a fait popper un machin énorme sur son crâne. Wouah! C'est le bordel! Il se passe des trucs mystiques! Il y a un mob invincible! Presque! Il y a presque un mob invincible! Il est faisable, mais dur! Peur de sortir le lance-patate! Il va être efficace, enfin. Enfin, il est un peu efficace, le lance-patate. Je vais t'avoir, mon petit. Ça va durer 2 minutes, mais je vais t'avoir. Ma petite niche, c'est pas que tu me saoules, mais tu me saoules. Voilà. Hein, gentiment, mais tu me saoules. Je vais t'avoir, robot de mes deux. Plus de munitions. Ah, je reviens. Ah oui, non, je veux pas en avoir, je suis bête.
Bah du coup, pistolet. Ou snipe. Plus de munitions. Ah, là vraiment. Là c'est vraiment la panique. Hyper vitesse sonique. Pourquoi j'ai ça en tête? Noob killer, tu m'embêtes. Dégage. Dégage, il y a un robot plus important que toi. La rondeur brutale, voilà, merci. Voilà, il reste plus que lui. On va se le faire, ça va être long mais faisable. Ah non, les balles rebondissent. Ok. T'as pas des lance-roquettes là? T'as pas du lance-roquettes, mon gars? Ou un truc explosif qui est pas mal? Excusez-moi, je passe sous vous. Ne vous inquiétez pas. Ceci. Wow, il m'a fait voler. Ceci n'est qu'une analyse de votre châssis. Je suis garagiste. Ne le prenez pas mal. Ouh, il est corrodé. Pas le mot. Corrosé. Oh là là. Le mec qui sait plus ses mots. Bon, deux secondes, je vais chercher des balles. Tu m'attends. Tu m'attends bien sagement. J'arrive. Il tire vachement loin. Bon, Tourelle, je sais pas si tu peux faire quelque chose, mais en tout cas, essaye. Bonjour Julien. Ah bah c'est gentil de me suivre. Hein. C'est... Bonjour, il me suit, c'est sympa. Ah là là. Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette expérience hein, de Borderlands. C'est absolument pas un jeu normal. C'est absolument pas déconnant. Enfin, c'est absolument pas sérieux, pardon. On fait n'importe quoi, on bute tout ce qu'on trouve et on fait ce qu'on peut. Et on fait ce qu'on peut. Ah! Oh non, ce con, c'est régène! Oh. Bon, si je l'attaque pas, il m'attaque pas, peut-être. D'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, vu que j'ai pas le temps de regarder toutes les armes, on va tout ramasser. Hein. Du coup. Faut que j'aille appuyer sur le bouton. Attends, je sais plus c'est où. C'est là. Sors-moi le truc, s'il te plaît. Allez, sors-moi l'écho. Merci. Alors, qu'est-ce qui est si urgent? J'ai pas envie de te buter. On redit ça. Je chassais et j'ai trouvé un peu de cet iridium machin chose. Et bon. Ces adorateurs dégénérés m'a vu. Alors, je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé et il s'est. Liquéfié? C'était. Incroyable. Bah la gode, des fois, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Hein. Je suis une sirène, ou les deux, mais j'adore cette bon, du coup, reprenons un véhicule. Ouais, je me suis évanoui plusieurs allez, fois, mais ça change les couleurs, changer. Ça change tellement rien. Okay. Mais pourquoi tu m'as pas juste envoyé un écho? Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici en prenant le risque qu'Hyperion découvre que tu travailles encore avec les pillards écarlates? Parce que tu... Comment tu vas? Je m'en vais. Ok. Allez, touche. Merci. J'ai réussi à toucher. Me demandez pas comment, mais je l'ai fait. Voilà, hein. Jack les a laissés pour mort dans la neige, c'est sûr. Bon. Les pillards ont toujours besoin d'aide. Tu devrais partir à leur du recherche. Coup, ça s'est fait. J'essaierai de prendre contact par écho quand je rentrerai à Sanctuary. Parfait. Alors tu peux partir. Quoi, pardon? Je viens d'arriver. Je suis un peu débordée à faire la guerre toute seule contre tous les bandits de la toundra pour que toi, tu puisses te concentrer. Je pense sur que les armes étaient pourries. Mais tu sais, je peux aussi laisser tomber mon truc du faucon ardent et les sans-pitié prendront le sanctuary. Non, non, tu as raison, bien sûr. Du coup, ça je l'ai déjà, ça je l'avais pas. Ah ouais, un nouveau skin, dis donc, c'est rare. Ah, les gars. Cool. Je repasse quand j'aurai trouvé. Bon, je vais finir la mission. Tranquillou. Tranquillou. On fait ça bien. Ah, je me suis pas changé de tronche d'ailleurs. J'ai oublié tout à l'heure de le faire. Oh, ça me triste. Allez, on passe à Corandos. Ouais. C'est pas franchement une tête, mais bon. Ah, limite, les couleurs vont pas mal avec. Ça fait un peu Club SM du futur. On va dire.
c'est un style. C'est un style. C'est un style. Bon. Finir la mission. Comment je me suis pas rendu le jeu tellement trop dur. Oh, une tête que j'ai déjà. Moins Hyperion sur moi, mieux c'est. Super, trop bien. Avant, on va. Je vais juste checker si j'ai pas une meilleure arme incendiaire. Apparemment non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, du coup, maintenant, m'infiltrer dans Blood Stronghold, ce sera ma mission parce que le culte de la flamme, je le fais quand ça arrive. À coup de munitions incendiaires. Bien, 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 bien. Bon, je vais là-bas. Ils vont faire un klaxon. Ok. Klaxon. Je suis Jérémy Clarkson. Klaxon. Ah, si ça mettait moins longtemps à charger. Pourquoi tu as les impériés alors que tu es par courant? Mais parce que c'est un jeu randomisé. Tout est randomisé, les armes, les ennemis, les compétences, tout. Tout ce qui est possible de randomiser, bien sûr. Hein. Ça veut rien dire, c'est absolument horrible à jouer, mais ça me fait rigoler. Ça rend le jeu à la fois très intéressant et très chiant. Où je me retrouve avec des boss de malades et des trucs qui veulent rien dire. Voilà. Du coup, faut que j'aille chercher le vol, véhicule, machin. Il y a des armes partout. Le taux de drop est absolument affolant et absolument... Bon, je vais quand même prendre une voiture parce qu'au cas où ça me... au cas où ça bug. Allez, je mets n'importe quoi. Mais voilà, ça s'explique. C'est parce que ce jeu est absolument absurde. Ouais, pas grand monde, on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ah, attends, le klaxon... C'est plus. Je sais jamais. Ah, c'est W. Hein. Merci de me le dire. C'est bien de me rappeler. Ah. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Franchement, ce serait très drôle. Je vais regarder. Je sais pas pourquoi. Est-ce que si je prends le skiff et que je klaxonne, le jeu me laisse passer? Est-ce que ça me ferait tellement rire? Bonjour. Ça va? Ça va bleu? Bon, excusez-moi, hein. Ellie vit en plein territoire hors la loi. Mais attention, amigo. Vraiment. Excusez-moi, monsieur, je dois. Alors attends, Blue, là, tu me fais chier un petit peu. Tu es gentil, mais tu me fais un peu chier. Merci. Ah. Excuse-moi, Nabo. Pourriez-vous cramer? Ça me fait partie d'une de mes missions à faire. Dans des conditions absurdes. Allez, allez. Allez. Crame. Crame, ça me fera plaisir. Allez, crame. Tu machin. Oh non, je l'ai tué. Oh là là. Je suis triste. Merci. Oh, ça laisse des tas de cendres. Non mais, dégage la tourelle de bandit, là. C'est bon? Bien! Moi je peux pas mod mon jeu car je suis sur Switch. Ah, c'est con! Bah, et encore, hein, moi je l'ai modé, mais ça a été vachement chiant à faire. Hein. En vrai, je me suis cassé la tête. C'est pas si simple. Enfin, c'est pas compliqué. Ah, attends, c'est un mode de régène pour moi? Avec de la régène de la santé? Mais c'est parfait ça, dis donc! J'avais pas ça sur moi! Bon, temps de latence, c'est bien, mais du coup, régène de vie, voilà. Hein? Alors, du coup, compétences. Je m'étais dit que je prendrais la vie pour avoir la double tourelle. Alors, tu vois, même là, les compétences, c'est aléatoire. Hein. Ça, c'est absolument pas normalement la dernière. Ça, c'est absolument pas la dernière. Ça veut rien dire. Genre, normalement, ça, c'est dans les premiers. Ça veut rien dire absolument. Du coup, ça me fait tellement rire de jouer comme ça, parce que ça, c'est absurde. Mais ça veut rien dire. Du coup, il n'y a pas des petits tas de cendres. Mais du coup, je me retrouve avec du bleu, du machin. Enfin, c'est très drôle. Moi, ça me fait rigoler. Hein. Ça m'amuse. Ça rend le jeu à la fois absurde et très drôle. Par exemple...
Pardon, excusez-moi. Par exemple, je peux me retrouver avec un boss. Je peux me retrouver avec un... au lieu d'un boss, un mob de merde. Genre, ça peut être un mob pourri. Non, ça klaxonne pas un skiff. Oh. Bon, du coup. Non, bon. Attends. Me laisse rentrer. Tu m'emmerdes pas. Utiliser, voilà. Moi, honnêtement, je sais pas. Sur Switch, après, je suppose qu'il est jouable. Mais bon, il est jouable comme jouable à la manette, hein. On a beau dire un bon jeu de tir, hein. Dans le clavier et la souris, c'est quand même un petit peu plus chiant, même s'il y a l'assistance à la visée qui aide vachement. Mais là, bon, je veux dire... Après, ça change pas grand-chose, en vrai. Hein. Si t'es bon à la manette, t'es bon à la manette. Si t'es bon au clavier, t'es bon au clavier. Voilà. Par contre, du coup, ça rend les chargements extrêmement longs. Vu que le jeu, il comprend plus rien de ce qui se passe. Mais c'est ça, moi ça m'amuse. Hein. Genre là j'ai un skiff. Alors, qui n'est absolument pas un véhicule que tu devrais avoir. Pendant des heures, je pensais que tu t'étais fait avoir. Mais t'es toujours là. Cool. Tout ça. Oh. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon live Bordel Land. Hein. Ça a vraiment ce sens. Hein. Bonjour le rôdeur. Alors du coup, je me retrouve souvent avec des espèces de semi-boss ou des ennemis d'élite. Voilà, c'est dans le DLC d'Oasis, tu as raison, c'est clairement ça. Mais du coup, ça me fait beaucoup rire. Hop, je roule sur les gens. Et juste chiant, c'est que le skiff, du coup, ça visse pas assez en bas. Ça visse pas assez en bas pour être pratique. Bon, du coup, je vais faire ça bien, hein, parce que... Oh, et puis, tu sais, Tourelle, tu vas t'en occuper. Hein. Allez. Je suis feignant. Vidéo, allez! J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps! Pardon, tu disais? Parle un peu plus fort! Ça lui a coupé la chic. C'était génial! Je sais pas s'ils l'ont un peu aminci dans le 3. Ah, salut! T'es déjà là, toi? Je sais pas, j'arrive pas. Bah, du coup, elle a tellement des vêtements différents. Oui, alors tu vas te calmer. Oh, la tête de Jack de Citrouille. Voilà. Quoi, ça ne l'a pas tué? Ok, non, bah j'avoue, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Elle est où? Où t'es? Où t'es, saloperie? Oh bah je t'ai eu. Ah, bien fait. Et ça a fait popper un autre truc. Qui est Elian, un Rax lagué. Cool. Voilà. Fais pas chier. Non mais... Y'a Eliant l'invincible. Y'a des mobs qui veulent... Ah bon, je te cherchais, je te trouvais pas, t'étais pas assez... présente. Non mais calme. Calme. Du coup, ce qui est juste absurde, c'est qu'ils ont les niveaux qu'ils devraient avoir dans le lieu, mais du coup, ils sont... c'est ce que c'est. C'est l'ennemi que c'est, hein, faut... Non, tu peux arrêter de m'emmerder. Je vais aller chercher la mission, quitte à faire. Ah non, merde, c'est le gars, il est de l'autre côté. Ah. Chiotte. Je peux pas passer là. Hein. Alors, je vais juste faire un truc, c'est me racheter des balles. Ah, des roquettes, enfin. Putain, enfin j'ai accès aux roquettes. Y a-t-il des meilleures grenades? Non. Y a-t-il des meilleurs boucliers? Non. Du coup, le stuff c'est vraiment au pif, hein, parce que je contrôle absolument pas ça. Y a des ennemis partout, ça veut rien dire. Ah, j'ai buté quelque chose apparemment. Me demandez pas comment, me demandez pas pourquoi, j'ai buté quelque chose apparemment. Oh, mauvais joueur. T'es qu'un mauvais joueur, Eliance. Ouais, Eliance, je vais jamais le dire. Attends, j'ai eu des points d'XP, ça veut dire que j'ai buté quelque chose? Pourquoi je suis pas revenu? Salaud! Oh le salaud, d'accord.
Donc ça arrive souvent, hein, le... je me retrouve avec un machin qui est invincible et quasiment invincible et que je dois le buter. Je veux dire, c'est ça qui est sympa. Ça rajoute un petit peu de défi. Voilà. Après, au bout d'un moment, des fois, j'en ai un peu marre et je m'arrête. Hein. Il est possible que je veuille changer de jeu en... au bout d'un moment. Voilà, donc, la mission. Après, c'est à savoir, quelle est mon arme la plus efficace sur lui. Ce qui est juste chiant, c'est que genre, le lance-patate, il prend un peu 3 ans à tirer. Donc, voilà. Mais il est assez efficace, hein, malgré tout. Donc, il suffit juste que je me place, j'attends qu'il attaque. Dès qu'il attaque, je lui mets dans la bouche. Et je peux le buter, hein. Je puis. C'est possible. C'est possible, il suffit d'être patient. Qui m'attaque? Qui m'envoie des trucs à 15 km? Ah, il y en a un, il est vénère. Ah, il en a rien à foutre. Et apparemment, lui, il a abandonné. Non? Oh non, c'est pas juste. Bon, pas... bon, je vais jamais réussir à le finir. On va se suicider. On va se kill tout seul. On revient prêt, comme un gardon. Dans ma magnifique tenue. Et on va... bah, il s'est barré. Non? Tu m'as revu? Tu m'as revu. On sort les mitrailleuses. T'es touché. Ah, ah. On recharge. T'épouse. Non, tu peux. Voilà. Tu peux attaquer. Merci. Je vais me recharger. Bonjour, quel mode utiliser? Le mode randomizer. Évitons tout malentendu. Oui. Ceci va vite être compris, je pense. Vu ce qui attaque. Vu ce qui attaque au moment du jeu où j'en suis. Ce n'est absolument pas logique. Ah la vache, tu m'as bien éclaté. Mais je vais te finir, mon gars. Je vais te finir. Ah, raté. Je suis mauvais. Oh non, je croyais qu'il allait m'attaquer, salaud. Ah, là t'attaques. Fous de moi. Ah, la deuxième. Pas grave. Pas grave, je vais te finir à un moment, mon gars. Je vais te finir. Je vais te finir, Winnie. Pourquoi Winnie? Ah oui, c'est parce que c'est le jeu de chasse. Chaque fois que je chasse l'ours, je dis que je vais le tuer, Winnie. S'il te plaît, tu peux attaquer. Ah, j'ai raté. Ah, la deuxième a raté, sinon je l'aurais kill. Reviens. Reviens voir papa. Viens voir papa, attaque. Allez, attaque. Attaque, sale bait. Attaque, tu vas mourir. J'aurais pas dû. Bon. Allez, allez, dernière chance. Dernière chance avant d'aller recharger des balles. Ah, petit con. Ah, je suis mauvais. Je suis tellement mauvais. Et je suis tellement salé. Ah, t'es mort. Et tu disparais direct. Et tu laisses zéro loot. C'est vraiment pour l'XP. Ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment pour le pex que c'est. Le pex que c'est. Allez. Du coup, je me recharge. Je me recharge. Bon, du coup, bah voilà, c'est le mode randomisé. Hein. Je joue normal. J'essaye de jouer normalement, on va dire. C'est ça la... C'est ça la chose. Le but du jeu est de finir le jeu et de le faire. Faut que tu fasses péter les bagnoles de bandits pour pouvoir récupérer le... Alors, bonjour, Riff l'assassin. Je te traite de tous les noms, hein. Après, c'est encore plus marrant de les buter. Excusez-moi. Tu t'entends bien avec ma sœur, hein. Super, super. Bien sûr, si je te prends un coup de sa gueule, je t'attache à un distributeur automatique et je vous le feu. Et c'est super un peu courant. Je sais pas pourquoi des fois ils se battent entre eux, mais c'est très drôle. Où ça? Où? Qui est où? Qui je peux buter? Bref, l'assassin. Ah, je vois plus rien. Ah, au fait, ma station autolock refonctionne.
fonctionne maintenant. Alors ramène ton derche à mon garage si t'as besoin d'une caisse. On va faire au mieux, hein. On va faire au mieux. Ah, l'incinérateur, super. Pas assez chiant pour l'instant. Bon, il y a presque plus personne. Dis bien presque. Presque est un très grand mot quand tu vois marqué invincible sur un des ennemis. Allez, moblé. Ah bon, d'accord, je te finis. Voilà, merci. Alors, l'incinérateur. Déploiement. Excuse-moi, tu viens? Ah, je t'ai raté. Eh, hey, pas mal, bonne arme. Bonne arme contre lui. Bonne arme, bonne arme. On va juste checker le reste du stuff. Fight for left. Bon, t'attaques. Ah, c'est pas mal, pas mal, pas mal comme arme, hein, ça marche bien. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Reviens. Non. Bon. T'as pas envie, ok. Je vais pas le prendre très mal, hein, je vais pas le prendre très mal. Mais il veut pas jouer. Oh, Elian. Enfin, Elian, c'est pas Elian, c'est Incinérateur. Incinérateur. Viens là. Bien joué. Bien joué avec papa. Bien joué avec papa. Voilà. Papa, il est content. Quoi, j'ai mal. Détail. Alors des fois, je me prends des trucs, je fais ok. Ok. Je suis venu là, mais bon. Non mais quand j'arrive à buter ça, au moins je prends de l'XP, et du coup après je vais être à des niveaux pétés. Je prends un gros bout d'XP, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un air. Gog, d'accord, Gog, je m'en fous. Ah mais non, il y a un deuxième qui est arrivé. Oh, bon, deux secondes, je vais me recharger. Tu attends deux minutes, mob. Papa, il rachète des munitions. Papa, il achète des munitions. Je vais attirer l'autre, mais l'autre il est plus faible donc ça va. J'aime bien parce que mon arme me touche plus que ce que je le touche lui. Ce qui est logique hein, dans l'absolu. Hein. Ce qui est vachement logique. Mes tirs qui mettent 3 ans à arriver. Ah, je suis mort. Mais je t'emporterai dans la tombe. Si possible, mais ça va pas le faire. Reviens! Reviens! Fils de chien! Oh, t'es passé par-dessus, c'est pas drôle. Oh, tu veux pas jouer? Oh là là, oh, il veut pas jouer. Non, non, il est susceptible aujourd'hui. Non, 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 non. Comment je vais mettre 15 ans à faire le jeu? Mais après, si j'y arrive, eh ben, je serais très content. Parce que je veux savoir, à la place du guerrier... Parce qu'il y a des mobs, ils sont remplacés, genre le guerrier, c'est pas lui, ça sera peut-être pas lui. Mais si, il y avait du stuff là, dis donc, j'avais pas vu. Oh bah, en plus, c'est un truc que je connais pas. Ah ouais, mais je peux pas aller chercher. Genre... Oh non, le stuff hors de portée. Oh, je suis saucé. Bon, testons le lance-roquette, ça va? Est-ce qu'il est mieux ou pas? Au niveau du... démontage. Moi, je dis que le guerrier sera remplacé par étalon du cul. Ça serait très drôle. Ça serait très fun. J'avoue. Oh, je t'ai touché. Ouh, les roquettes, elles font mal, hein. Ah, les roquettes, elles déconnent pas, hein. Ah, les roquettes, elles disent non, hein. Va te faire. J'ai pas envie de jouer avec toi. Oh, tu veux pas t'arrêter? Ah, merci. Bon d'accord, je suis mauvais. Je time tellement pas ça. Ah, je suis mauvais. Bon, je finis lui et après je cours à la mission. Je cours à la mission, pas de soucis. Parce qu'au bout d'un moment, j'avance quand même dans le jeu. Je force un peu le truc. Là, c'est plus parce qu'il va m'emmerder, mais vraiment 10 minutes, quoi. Genre...
Si je le laisse faire, ça va être long de chez long. C'est-à-dire qu'il va me poursuivre le cul tout le jeu. Que si je le démonte, et bah au moins. Ouh, je fais mal. Ce lance-roquette qui est quali. D'ailleurs, il est niveau 17. Mais genre, mon XP, il est absurde. Genre, j'ai pris un niveau il y a tellement peu de temps. Mais grâce à deux invincibles, tout va bien. Moi, je bouffe de l'invincible tous les matins. Avec un invincible au petit déjeuner, je gagne des fois. Bien des fois, hein. J'adorerais toujours cette technique dans Border de dès que les munitions sont affichées, rechargées, c'est-à-dire que le chiffre a changé sur l'affichage des balles, tu peux, en tapant, guaquer l'animation. Oh, t'es tombé! Oh, t'es tombé! Oh, t'es mort! Voilà! Bon! Du coup, je vais aller infiltrer le camp des hélicos parce que... Merde! Allez, on prend le Light Runner. Normalement, je devrais réussir. Allez, s'il y a des mobs ou machin, on les ignore, lamentablement. Lamentablement, ça veut rien dire. On les ignore royalement, voilà. Allez, on fait bien les choses. Oui ! Je suis allé trop loin ! Ça va. Ouais, t'as vu ? Bon, du coup, il faut que je bute des gars avec les armes incendiaires parce que... Et que je les transforme en tas de cendres. Parce que c'est une de mes missions, hein. Voilà. S'ils crament et qu'ils font des tas de cendres, c'est bon pour moi. Bon. S'ils crament et qu'ils font rien, c'est pas bon pour moi. Ah bonjour. Bonjour. Vous êtes un mec qui porte un autre mec qui est plus grand que vous. Absolument aucun problème dans cette structure. Il se passe absolument rien de... Mais Clayton veut que tu les fasses cramer. Ça risque d'être délicat. Mais non. Conseil, affaiblis-les avec une arme non élémentale. Puis oui, quoi? Ah, bonjour. Ne t'inquiète pas, je vais les cramer. Tu vas voir, ça va être sympa. La mission va bien se passer. Excuse-moi. Crame, s'il te plaît. Crame, petite Nisha. Et... Merci. Et tu n'es pas dans la catégorie que je voulais. Chiotte. En fait, là, ça, c'est un des trucs les plus chiants du jeu, maintenant que j'ai tout randomisé. C'est-à-dire que, des fois, la mission, elle te dit « Ah tiens, tu dois buter tel mec de telle condition. » Et bah ça, ça devient très très dur, bizarrement. Parce que, bizarrement, et bah, le jeu, il me donne absolument pas l'ennemi, ou en général, je le tue pas avec le truc qu'il faut. Tu peux m'aimer ou me haïr, mais plutôt, c'est pas une planète. Quoi ? Il a des Plutons, c'est pas une planète ? Oh putain, Rackman, c'est tellement de trucs de mort. Il est où ? Ah ! Oui, bonjour la mère de Dukino. Ça va ? Tranquille ? Cram, 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 cram. Con. Ah bah oui, ça compte pas, hein. Bonjour la mère de Dukino, ça va ? Bon, les Digistrucks, ça compte pas. Bon, on va sortir ça, hein, parce que... Tant que j'ai des conditions un peu de merde comme ça, c'est là où c'est chiant parce que du coup je suis obligé un peu de me battre de manière spéciale. Bon, attends. Touche pas. Oh, tu survis! Tu survis, le beau jeu! Bon, merde Dukino. False araignée, je suppose que c'est de la merde. J'adore tous ces mobs qui ont une espèce d'armure invincible et que... Pour les buter, c'est franchement horrible ce qu'il me faut des armes de fou. Qui leur fassent des dégâts explosifs ou des trucs comme ça. Je vais t'avoir. Ah, ah, 2000 d'XP. Si ça, c'est pas la vie. Est-ce que c'est pas mieux que mon pistolet? Non. Mon pistolet incendiaire n'est toujours pas bon. Bon, toi... Je sais que tu n'es pas un truc que je peux brûler et qui mettre dans ma mission. Je me tue plus que ce que... Mon gun est beaucoup trop efficace, même pour moi. Il me kill plus vite que... qu'il kill les trucs. Oh, chargeur vide. Merde, voir. Ok. Ah bah, bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi, je peux vous cramer.
Oui, et des fois il bouge pas. Oui, c'est buggé des fois, hein. Faut pas faire attention. Niveau. J'ai pris mon niveau. Alors en soi, j'ai pris mon niveau il y a longtemps en termes de game, de temps de jeu. Mais en termes d'ennemis battus, pas tant. Voilà. Alors. Oh, quel beau paquet. Oh, il y a plein de choses. Ah merde, j'ai ramassé une arme. Oh, quel beau stuff. Alors, y a-t-il du mieux ? Ah, j'ai du mal à trouver des meilleures armes. C'est fou. Oui, je prends aux dégâts, hein, parce que... Qu'est-ce que ça me change ? Qu'est-ce que ça me donne ? Rien, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais jamais ici, moi. Très rarement. J'adore ces zones dans Border où tu n'y vas jamais. Alors, à quoi ça te sert ? Rien du tout. Mais tu y vas jamais. Genre là, oui, il y a un accès. Oui, il y a une cabane. Qu'est-ce que tu vas y foutre ? Bah, à part pour trouver peut-être les secrets ou les machins, bah rien. Ce qui est sympa, hein, mais bon. Mais bref. Voilà. Bon. Non, mais ce qui est bien, c'est que, au début, franchement, le début du jeu, c'est le plus difficile, hein, parce que t'arrives, t'as un invincible devant toi, tu fais « Mes armes ne vont pas le tuer. » Parce que j'ai pas des armes pétées, il a beau être niveau 1 ou 2, le machin, il a une armure et un sac de PV. Parce qu'au final, là, le problème, c'est pas le niveau, c'est en fait la constitution et le ratio du truc. Un invincible est invincible, quoi qu'il arrive. S'il est censé être un sac à PV et un truc avec une def de folie, il est un truc avec une def de folie. Y a pas de science là-dedans. Bon. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Tout doux. Tout doux, votre assassin. C'est vrai que j'utilise jamais mon viseur. Parce que des fois, il y a des viseurs un peu spéciaux. Excuse ma boîte, hein, tu me laisses 2 secondes. Papa ramasse des balles. Oh, bonjour, Tumba. Mais c'est souvent les mêmes ennemis, c'est juste ça en fait qui est un peu chiant, c'est que du coup le mode reroll beaucoup en général des ennemis un peu d'élite. Parce que, bah, je sais pas, c'est comme ça. Hein. Faut pas chercher. Il me donne des ennemis d'élite et du coup, bah... Ça rend la chose marrant, mais bon, du coup, des fois, ça manque pas de diversité, c'est juste que la diversité se prononce pas tant. Bon, ok, pour elle. Oh, mais on peut rien faire, hein. Franchement, on peut pas bosser tranquille, hein. Alors oui, alors des fois aussi les ennemis se retrouvent avec des armes de folie. Mais genre, de folie, hein. C'est absurde, hein. C'est absurde, hein. Des fois, ils ont les lance-roquettes que toi, tu rêves avoir un jour. Ils te font des dégâts, mais qui sont... Genre, ils ont une vitesse de tir et un truc. Hein. Voilà, bon. Voilà, comme ça, hein. Preuve par l'exemple. Que le machin, le mob sur le dos, il a un Dan. Dan, il a une arme qui est absolument fumée. Un temps de latence. Non, je veux de la régène de vie, si c'est possible. Oui, j'en demande beaucoup. Et alors ? Bonjour, cœur de primate. Ça va-t-il, toi ? On espère. Voilà. Ah, bonjour. Oh, c'est nul. Il m'envoie une arme et elle est pourrave. Alors, Henri. Non, tu n'es pas intéressant, Henri. T'as beau te présenter et que tu t'appelles Henri... que tu voudrais bien réussir ta vie et être aimé. Tu veux être beau et gagner de l'argent, mais là, c'est pas suffisant. Hein. Ça fait pas le taf pour moi. Donc, des fois, c'est comme ça, et genre, je peux décider de me dire, je le laisse. Ils sont bloqués, ils sont kéblo, genre, ils sont buggés. Oh, le lance-roquette. Non, mon lance-roquette est bien mieux. Mon lance-roquette a 11 000 x 3. Donc on va se dire que c'est sûrement mieux, hein. Niveau dégâts, c'est peut-être chiant. Là, par exemple, ils ne remplissent pas les conditions que je souhaite. Pourquoi les buterais-je? Oh là, je vais les laisser pépouze. Serre-toi, continue, prends pas le temps de réfléchir, tu réfléchis, t'es mort. Ah oui, en effet, moi, dans mon mode, là, tu réfléchis, t'es mort, en général, hein. Tu réfléchis à ce que tu fais. Non, non, tire. Tire, et après, examine. T'as pas le temps, hein. Alors, du coup,
Continuons, hein. Alors là, normalement, il y a les ennemis aériens. Et même les ennemis aériens sont random. Oui. Qui êtes-vous? Sans barbe, ok. Un sico. Massico. Voilà. Oh, une relique. Non, elle est nulle. Excusez-moi. Qui êtes-vous et qui m'attaque? Mon but est de vous transformer en tas de cendres. Si possible. Comme ça, après, je pourrais enfin mettre des armes qui ne soient pas incendiaires ou qui ne soient pas... Allez, crame. Oh mais non, t'as cr... Enfin si, est-ce que ça a compté? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas bien. Bon, bonnette 2.0, je vais penser que tu es absurde pour moi. Excuse-moi, je recharge, hein, bonnette. Ah, merci. Voilà, merci. Bon, toi, l'île au sauvage. Ça fait pas le deuxième, là, que j'ai? Cible repérée. Pas le deuxième que je me tape? Cram. Mais ils s'éteignent juste avant, ça me saoule. Ça me saoule tellement qu'ils s'éteignent deux secondes avant. On s'embarbe. Toi aussi tu vas y passer, hein. Je continue ma mission pépouse. Ah non, pas juste. Ah oui, brûlure. Alors, brûlure, excuse-moi. Ah, j'ai tué quelqu'un. Apparemment, j'ai tué quelqu'un. Me demandez pas qui, me demandez pas comment, me demandez pas quoi. Il y a un mec qui est mort. Allez, brûle. Ah, ça compte pas. Je suis saucé. Je suis saucé, ça compte pas. Assassin, un mode de grenade, un bouclier. Alors on essaye de faire ça bien pour le buter, hein. Alors il va falloir que je bute les ennemis volants parce que c'est le remplacement des hélicos. Bon, roquette parce que... Hein. Ah, il résiste, hein, le bâtard. Ah, il est solide, hein. Il saute sur ses appuis, hein. Du coup, Tourelle, t'essayes de niquer Elian, c'est ça? Boost l'invincible, pas mieux. Aïe. Sniper est-il pas mieux? La pompe est pas mieux. Ajoute de la régène de santé. Bah pourquoi pas. Voilà. Parfait. Oui, parce que plus j'ai de régène de santé, je pense mieux je me porte. Je sais pas pourquoi il me dit ajoute la régénération de santé. Ça marche, hein, moi. Je suis pas chiant, hein. Bon, il va falloir que je bute le pseudo hélico. Ça va être compliqué. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Bonjour Moblé. Au revoir. Le mec, j'ai tiré une balle. Les mobs, ils m'ont... Oh là, il y en a un qui a une arme. Elle est vénère, hein. Ah, je vois rien. Je vois absolument plus rien, tout ce que je fais. C'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. À savoir, où est-ce que je reviens? Non, ça va, je reviens là. C'était plus sûr. Je me rappelais pas de ce que j'étais ou je faisais, hein. Je me rappelle une fois, je m'étais amusé à prendre la voiture et à l'amener le plus loin possible dans le machin. J'avais réussi à l'amener super loin. Non, une fois, elle avait réussi à passer par-dessus la machine en volant. Du coup, ça m'avait bien fait rigoler. Je me suis dit, ok. Du coup, est-ce qu'il y a toujours la maman de Dukino? Oui, ils ont juste changé. Du coup, c'est des nouveaux ennemis et du coup, c'est des ennemis butables. Non? Non, ils sont au calme. Ah si, non, ils s'énervent. Bon, bah... Tiens fou, tu peux cramer. Continue. Je peux cramer et me faire un tas de cendres. Oh, mais ils sont pas décidés! Ah, ils sont vraiment pas avec moi, hein. Bon, bah, du coup, Henri, hein, je te laisse tranquille. Tu as mérité ta survie. Que tu buterais sûrement un jour. À un autre endroit. Ramassons des babales. Qui a cette arme?
Qui a cette arme qui est fumée? Cible repérée. Mobley. C'est même pas grave. Ah, t'es mort. Est-ce que c'est boost dans la cible qui me bute? Non. Lucky, ouais. Bon, elle est pas géniale, hein, cette emote dans l'état actuel, mais... Mais des fois, elle est pratique quand je joue à Isaac. Allez, il faut que je bute Miséricorde. Bon, d'accord, ok. Attention, brutal. Oh, il meurt pas. Et il meurt pas en plus, il est solide. Solide, le gars. Solide, solide. Non, 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 j'avoue, là, il est solide. Bon. Il faudrait que j'essaye de buter l'aérien. Il faudrait que j'essaye d'avoir boost. Ce qui est bien, c'est que je fais des succès en faisant rien. Genre, ok. Je fais des succès. Ce qui est très drôle, c'est que des fois, j'ai des armes, je tire, et ça me dit, faites des kills au lance-roquette. C'est un pistolet. C'est un pistolet, c'est pas un lance-roquette. Hein. Mais bon, vu qu'il a un museau d'un lance... Oh, dis donc, Dukino! La maman de Dukino qui se met à chauffer, là. Qui se chauffe. Qui se dit, hey, tu sais quoi, j'ai envie de jouer, moi aussi. Ok. Non, non, mais, hey. T'as envie de jouer? T'as envie de jouer. Je suis sympa. Je te laisse participer. Ah, apparemment, j'ai dû buter un truc en passant. Je me tue, mais je te tuerai avant. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bon, du coup, ça fait popper d'autres mobs. Henri, au revoir, Henri. J'ai adoré te voir. Ah, un seigneur de guerre. Grug. Ah, mais vous allez me laisser du stuff, hein, et moi, je dis rien. Hein. Content, hein. Non, soit la tête, tu me fais chier. Gentiment, hein, mais tu m'emmerdes. Excusez-moi, hein, un moment, je vais y arriver à quelque chose. Je vais arriver à quelque chose, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est bien une arme avec un tir pénétrant, là, qui me permet de tirer un peu plus sur les deux en même temps. Ça m'aide, ça m'aide. J'essaye de lui mettre un critique, hein. C'est compliqué. Pour les têtes du roi squelette, Tourelle, est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît, parce que ça me saoule. Non mais Siko, je t'ai tué? Non? Ah non, pardon. Excusez-moi, je croyais vous avoir tué. Alors, oui, des fois ça arrive qu'il y ait des trucs comme ça, hein. Me demandez pas, c'est comme ça. Il y a des mecs qui volent. Alors, qui m'attaque? Ah, pardon, Toomba. Mais Toomba, reste là! Ah oui, hein. Creuse ta tombe. Bah, là. Tombe, là. Oui, je fais des jeux de mots pourris, alors. Oh non, 2400, 2000... Oui, bonjour. Bonjour, petit héminoptère. Viens là, papa. Au revoir. Bon, maintenant que j'ai fait un peu tout ça, et que je vais tuer cette reine Digistruct Noir. Pas du tout, parce qu'apparemment elle est trop loin pour mentir. Ok, checkons un peu le stuff. Bon, c'est du lance-roquette pas génial. J'ai toujours pas de... Ah non, c'est pas un incendiaire. Merde. Ah, par contre, j'ai des meilleures grenades. Enfin. Enfin, les grenades ont un petit peu plus de quali. Ah, ce flingue est moins bien. Ouais, mais après, je vais le changer quand même parce qu'il doit être plus précis, voilà. Il tire mieux. L'autre à vague est pas mal, hein, mais en soi, il est pas pratique pour tuer des fois certains trucs. Du coup, maintenant, je peux te tirer dessus? Oui. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de te tirer dessus avec ça. On va sortir l'extrême utilité. Voilà. Vu comment t'es solide. Ok, t'es vraiment solide. Tu m'as fait niquer des roquettes pour rien. Enfin, pas pour rien, mais bon. Moins utile. On prend ça. On se décale des objets. Oh, le beau Jack. Qu'est-ce que tu fous, là? Jackie. Jackie. Jackie.
Mais c'est une arme incendiaire. C'est pas une arme incendiaire, si? Mais ça fout pas le feu. Ça explose. T'as un peu. Ok, je vais re-switcher avec ce que j'avais. Ok. Merde. Du coup, elle est dans mon inventaire. Je vais re-switcher avec ce que j'avais, hein, parce que ça ne fait pas. Où t'es, Jackie? Jackie, je dois te brûler. S'il te plaît. Arrête de bouger. Allez, s'il te plaît, cram. Merci, Jackie. Thank you, Jackie. Ok. Du coup, je trouve de l'iridium. C'est pas possible. Est-ce que le Warrior, il peut apparaître à tout moment? Je sais pas. Je pense que non. En fait, je pense que le Warrior, en vrai... Le Warrior, c'est un ennemi spécifique et du coup, il peut peut-être pas popper à n'importe quel endroit. Je pense qu'il y a que les ennemis, c'est-à-dire des mobs particuliers qui ne sont pas accrochés à une map. Enfin, non, en fait, je pense que c'est plus lié aux spécificités du boss. C'est-à-dire que c'est un boss qui passe d'une zone à une autre, qui plonge dans le sol, tout ça. Il y a des animations spécifiques au terrain, je dirais, un truc comme ça. Et du coup, il pop pas que Jack est un ennemi type humain. C'est juste qu'il a un skin différent avec des capacités différentes. Mais c'est un bandit, c'est un soldat, c'est un mec qui ressemble. Il a juste 2-3 attaques spécifiques, mais je pense que c'est plus lié à ça. C'est pour ça que je vois des hyménoptères, des trucs qui ressemblent à des racks géants, enfin bref. Et pas des ennemis type... C'est marrant, j'ai pas de charnier. Aussi étonnant que ça paraisse, il y a pas de charnier, parce que je pense que du coup, les charniers sont... du coup, voilà, ils ont besoin de plonger dans le sol, de faire des trucs... Et comme là, c'est pas possible, en fonction du terrain. Je dirais que c'est lié à ça, j'en sais rien après. Mais en tout cas, j'ai pas vu le guerrier. Mais ouais, il y a que certains types certains ennemis, pas tout. Il y a pas tout. Mais je pense que tout ce qui est vraiment boss de fin ne pop pas. Genre, j'aurais jamais, par exemple, le boss final d'Oasis. Je l'aurais jamais. Parce que c'est un boss, il est bloqué sur place, il bouge pas, il fait des trucs. Et il a besoin d'une surface, d'un terrain particulier, je dirais. Je sais pas après, au-delà de ça, si c'est le cas. Je pense que c'est lié, parce que... C'est pas possible sinon, parce que l'affichage est trop compliqué, là. Ah la vache, il tient bien, hein. Il tient bien, la reine Digistruct noire. Du coup, c'est peut-être un des ennemis, des pilotes d'hélico. Et j'ai plus de balles. C'est absurde. Je vais devoir me recharger, moi. Mais ouais, je pense que c'est lié à ça. Par contre, le fait est que ça peut être remplacé. Je pense que le jeu peut me le remplacer en disant « Tiens, le boss de fin ?» Non, non. Faire autre chose. Possible. Ou pas, hein, j'en sais rien. Après, je pense que malgré tout, il doit y avoir des trucs assez logiques où bah, ça randomise pas tout. Faudrait faire des recherches, faudrait regarder. J'ai pas l'info, j'ai pas l'indication, j'ai pas cherché à ce point à savoir comment il marchait. Je sais que je l'ai mis en mode foutraille, genre on peut régler les niveaux de randomize. Et je l'ai mis à donf, c'est-à-dire j'ai mis tout, genre ça veut rien dire. Parce que j'aurais pu le régler où ce soit quasiment que des mobs communs mais de n'importe quelle zone, c'est-à-dire... J'aurais pas eu les invincibles, j'aurais pas eu le truc, mais au lieu d'un bandit, j'aurais eu un sadique. Ou un mec d'une autre zone, enfin voilà. En mode plus cool. Mais du coup, le jeu, bon, même si c'est intéressant, le jeu là, c'est de tomber sur des trucs qui veulent rien dire. Moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est de tomber sur des machins qui sont absurdes. Et que tu te dis, ok. Genre pourquoi? Pourquoi pas? Hein, ok. Et du coup, ça me fait rire, parce que je trouve ça tellement drôle. De se dire, ah ok, je suis tombé sur ça. Ah oui, j'avais déjà vérifié. Du coup, là, je me retrouve avec l'invincible, qui est sûrement un des ennemis à buter pour la quête optionnelle, on va dire. Hein, des babales. Je suis un peu en dèche. Oh, il y a un tas de cendres. Ça veut dire que j'ai réussi à buter quelqu'un. Et du coup, là, bah voilà, tiens, j'ai réussi à faire un truc. Gettel, peux-tu crever s'il te plaît? Bon, toi, je pense que je peux pas te faire cramer vu que t'as pas une vie et un Hyperion.
S'il te plaît, bon d'accord. Merci. Bon. Oh là. Alors. Voilà un type d'ennemi que je me disais pendant longtemps. Putain, ils sont invincibles. Non, non, en fait, ils sont pas invincibles. Ils sont très forts. Genre, ils ont une vie de bâtard. Mais ils sont faisables. Hein. Alors, je vais juste rechercher des munitions. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je laisse la tourelle s'amuser un peu pendant ce temps. Hein. Elle fait son office. Elle dit, je suis né de la Sainte Vierge des dégâts. Donc boost l'invincible, il va être compliqué, je pense, parce qu'il a l'air ultra mobile. Et donc ça, en gros, je tire dessus jusqu'à ce que... Hein. Bon, je vais me planquer sous un truc pour le faire, parce que l'autre, il me fait un peu chier, là, en vrai. Boost m'emmerde un peu à mon objectif. Donc je vais essayer de trouver un point planqué pour pas que ces boules me touchent, mais que je puisse moi le toucher. Attention, brutasse ! Alors normalement, voilà. Hop là, c'est pas mal ici. C'est pas le moment de flancher ! Hop là. Allez ! Passe tes grosses fesses d'Axton. Voilà, normalement je devrais être assez protégé. Du coup, je tire dessus jusqu'à ce qu'il meure. Ça va être ça. C'est... Même à tourelle pour Kenned. Il va mourir, hein. Faut pas s'inquiéter, il va crever. Hein. Ça va arriver. Je check mes mails en même temps. Quoi? Quoi, le gars est multitâche? Yes. Et je sais que ça crève, hein. Je sais que ça meurt au bout d'un moment. C'est pas invincible. Voilà! C'est même pourri, quoi, genre ça laisse du loot de merde. Bon. Ennemi en approche. Du coup, j'ai toujours un problème de petit boost. De petit boost. Oh, bonjour. Arguk, le boucher. Excuse-moi, je check les armes avant, ça te dérange pas, non? Crâne. Le mec, il s'est mis à gueuler d'un coup. Il est pas mieux, il est pas mieux. Bon. Excuse-moi, Arguk. Alors, ce qui est juste chiant, c'est quand ils sont comme ça, ils sont à moitié invincibles. Alors, on voit bien les balles, elles rebondissent sur eux. Je voudrais monter sur le. Là-haut. C'est quoi ça? Je croyais que c'est. En regardant l'image, je me suis dit. Quoi? Il y a une poutrelle, il y a une arme, une poutrelle qui est géante ou machin. Non, non, non. C'est un élément du décor avec un flingue. Mais ce serait génial, le machin, tu fonces sur les ennemis, tu... C'est un bélier en même temps. Machin, tu rajoutes... Ou tu sais, ça fait une ligne de gun. T'alignes 15 canons au bout du truc. Sur la barre, tu tires, ça fait un truc comme mon gun actuel, c'est-à-dire ça fait une vague géante de trucs. Alors ça veut rien dire. Bon, boost, va falloir que je te bute. À un moment. Je sais pas comment... Vu comment t'es mobile as fuck, et que c'est un peu chiant pour moi, ça m'emmerde un peu. Ah non, des fois tu te calmes, ok. Oh bah ça va en fait, je te mets des dégâts. Mode de grenade, nul, nul, nul. Alors moi je veux aller là-bas. Parce que là-bas il y a du stuff. Il y a de l'iridium et un flingue. Alors... T'es où? Oh salaud. Ah tu m'as bien foncé dessus. Bon, on sort le divin lance-roquette. Il est bugué. S'il est bugué, c'est génial. Parce que je peux peut-être réussir à faire des shots. Ça passe. Oh, il a bougé. Oh le bâtard. Ah. Oh oui, je lui ai fait très mal. Mais j'ai plus de munitions. Ah. Il me faut des... Est-ce qu'il n'y a pas des roquettes, s'il vous plaît, quelque part? Gentiment. Des ch'tites roquettes. Bon, après, je pense qu'au snipe, ça passerait quand même. Excuse-moi, Arguk. Est-ce que tu peux cramer? Et mourir, en passant. Oh non, t'es mort comme ça. Bon.
Du coup, rechargeons. Tu peux te poser pour m'attaquer, s'il te plaît, que je te mette des shots dans la tête. S'il te plaît, viens. Viens, petit. Petit. T'es touché. Et tu prends de la corrosion, ce qui fait que ça m'arrange. Oh, je me suis tué. C'est pas drôle. M'en fous, je te touche. Je te touche autant que je puisse. Bon, d'accord. Là, t'es plus motivé à te battre. Ok. Non, je suis pas chiant. Je suis pas chiant, hein, en vrai. Hein. Je ne suis pas chiant, je te laisse faire. Ok. Avant, je vais aller chercher un petit truc à grignoter. Parce que... Je commence à faire faim. Ah, les ennemis sont revenus. Bon. C'est le début des emmerdes. Alors, comment dire? Comment dire que ça va pas me faire chier? Ils ont déjà défoncé ma tourelle. Bien les mecs. Hein. Bien. C'est même pas grave. Excuse-moi, Nisha. Nisha, la shérif de Lynchwood. Alors, je suis obligé de tirer au pistolet parce que du coup, je garde mes balles pour le boost. La boosty, le boosta. Alors, bon, peut-être tout le monde n'est pas revenu. Donc, j'ai peut-être le temps de rentamer l'autre. Boost, t'es où ? Boosty Boosta. Ça va, ils ont pas l'air d'être revenus. Boosty Boostify. On recharge en passant. Ça va. Toujours pas de roquette. C'est bien dommage. En fait, le seul problème de mon... Je crois que je vais essayer de le faire au flingue. Peut-être que je vais être plus efficace. On n'en sait rien. Boosty, s'il te plaît, tu te reprends pas ta vie. Boosty! Oh putain, il a repris sa vie, l'enfoiré. Oh l'enfoiré. L'enfoiros. L'enfoiros, il a repris sa vie. Enfoiros. La force de l'enfoiré. Ah, je suis un peu saucé. Bon, faisons ça. Maintenant, arrose de carburant le filet de volley-ball. Et bute-moi, ce connard! Bon, du coup, je suis descendu là où il y avait des ennemis. Hein, j'aurais pas dû. Pourquoi arrêter de bouger, topinière? Un peu chiant. Pourrait venir me taper, genre, voilà. Bien de face. Oh, t'es chiant. Ah, j'ai pas eu le temps. Je voulais lui tirer dessus au snipe, mais j'ai pas eu le temps. En vrai, dès que je suis en mode comme ça, je vais sortir le snipe et... Bonjour. Mais bonjour. D'accord. Oh non, ils sont revenus, c'est pas drôle. Bon, du coup, j'hésite pas, hein. Je n'hésite pas à utiliser les grosses armes. Malheureusement, le sniper... Bon, après, le sniper, encore, c'est assez dosable. Ah, je vais y arriver à l'avoir, hein, ce petit, hein. Peut-être si je me mets sur un point un peu en hauteur, tranquille, peut-être réussir à le toucher facilement, on va dire. Il y a un porteur jet là-bas. Bouge pas. Alors je me mets bien au bord pour essayer que les boules du snipe ne me tuent pas. Bien, cool. Bah, il est passé où, Boost? Bah. Ce con s'est tué. Non, ah putain. Eh, je me sentais pas bien, hein. Je me disais où il est. Où il est, mon petit boost?
Bon, il va falloir que je temporise à mort pour essayer de m'en sortir. Je sais pas comment. Je vais essayer, hein, on va faire au mieux. Avec ce qu'on a, c'est-à-dire un snipe. Si je tire bien dans l'air, normalement je me prends aucun shot. Du coup, je me kill pas. Le mieux, c'est quand même quand il bouge pas. Mais quand il bouge pas, c'est compliqué parce qu'il le fait pas souvent. Voilà. Et je me suis bien raté. Je me suis tellement raté mon shot. Faut que j'arrive à l'avoir, hein. Faut que j'arrive. Hein. C'est une affaire de... Et voilà. Le truc qu'il fallait pas que je fasse, je l'ai fait. Ah, je suis nul. En fait, ce qui est chiant, c'est que je suis trop loin de là où il pop. Et du coup, il repop full life. C'est même pas une question de ça, c'est une question qu'en fait, je suis trop loin de la zone où il est. Comment je peux faire? Comment puis-je faire pour le buter facilement? Il faudrait que j'ai des roquettes. Les roquettes me tuent moins facilement. Mais les roquettes, j'en ai pas. Y a pas de magasin ici? Y a pas un petit shop? Non, dans la zone? Ah non, même pas. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas envie de partir de la zone parce que je me dis, ils vont me ressortir des trucs. Dès que je veux revenir, ça va être la folie. Ah, bonjour! Vous allez bien? Bougez pas. T'as des roquettes, s'il te plaît. Ouais, je vais avoir des trucs nuls, sûrement. Ouais, du fric. Cool. Bon. Ah là 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 là, parce qu'abattre les hélicos, je suis sûr, il fait partie des hélicos. Oh non, je suis chieux. Je sais pas c'est quoi l'espèce de zone de phase là. Mais apparemment ça a l'air violent. Ça fait des dégâts. Mais il est solide hein, sur ses appuis hein. Et j'ai plus de balles. Ah, c'est pas bon ça. Et merde, ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. C'est la chiotte. Il est où, Mikey? Mikey! Mick! La tortue ninja. Eh oh, tu viens? Oh! Non mais... Il en a rien à foutre de moi, hein. C'est genre le loot! Le loot! Ah, je t'ai tué, ça te fait pas du bien, hein. Plus, tu me laisses même pas des trucs intéressants. Oh là là. Il y a des meilleurs pistolets, mais bon, le problème est que c'est pas une question de pistolet, c'est une question de... Alors après, il y a une technique pour essayer de battre Boost, qui est franchement nulle, et que j'ai pas envie de faire, qui est de... Est-ce que si je ramasse un lance-roquette... Ça ne me donne pas les balles. Genre, il a pas des balles à l'intérieur. Si! Du coup, attends. Laisse-moi pick up ça. Attends. J'avais plusieurs lance-roquettes. Ça donne des balles en plus. Yes! Ok, le bon plan. Tu ramasses les lance-roquettes et du coup, tu te remets bien. Bon, ça, c'en est pas un. Ok, bon plan. Du coup, après, je remets mon lance-roquette de la folie. Oh. Et du coup, voilà. Ça me permet de récup des balles. Ça me permet de récup quelques balles. Donc en gros, faudrait que je ramasse les snipes et les lance-roquettes. Comme ça, je me remets bien avec des balles. Des balles qui feront pas du mal. Hop, comme ça, 30 balles. Tac. Bon plan, bon plan, bon plan! Bon gameplay. Bon là, va falloir que j'attende qu'il bouge pas et que je le nique au lance-roquette. Alors bien quoi. Comme là, mais mieux. Ça c'est SMG. Allez mon petit, allez mon petit. Ouvrez la bouche. Attaque la tourelle, tu vas voir, elle est sympa. En soi, ses dégâts sont pas assez forts pour me tuer.
potentiellement. T'attaques quoi, tourelle, là? T'attaquais quoi, le sol? En soi, la tourelle, elle lui fait quand même masse de dégâts. Hein. Malgré tout. Vas-y, tu m'emmerdes pas. Oh, t'arrêtes là, c'est chiant. Allez, attaque-moi normalement. Allez, fais-moi un laser là, que j'ai le temps de te mettre une petite roquette. Tac. Voilà. Long, mais pas trop. Je vais essayer. Il est où? Mais, reviens! Mais... Ah, quand même. Voilà, deux séries de roquettes. Ça te fait pas du bien. Voilà, attaque la tourelle. La tourelle est pas gentille. Ah merde, j'ai été trop gourmand. J'ai voulu lui mettre une deuxième. Oh, ça fait pas du bien. Ah, je vais te buter, je vais être tellement content. Non. Allez. Pige-toi. Pige-toi, s'il te plaît. Oh, je l'ai eu. Ah, bien fait pour lui. Bon, du coup, malheureusement, ça ne compte pas. Bon. Ils m'ont viré parce qu'ils trouvaient que j'étais trop débile. C'est dommage. Tu vas leur... Ça leur apprendra. Plus de volley-ball brûlant, alors dis pour vous. Bande de grands camps. Merde, c'est les gars qui m'ont viré. Maître Flinter. Comment allons-nous buter Schroeder Schreiber. Allez, Maître Splinter, tu peux crever. Can you die? Please. En brûlant? Non, j'ai raté. J'ai raté, j'ai été trop gourmand, j'ai voulu le tuer, mais... Excuse-moi, le garçon d'honneur, ça te dirait de brûler? Est-ce que tu aimes le feu? Cool, j'ai fini la mission. Wouh, 3 heures après. 3 ans après, je l'ai fait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est quoi? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe là? Passe un truc. Attends, il y a... Ah oui, non, là le... What? C'est quoi qui se passe? Rien compris. Rien compris. Hein. Du coup, je vais peut-être faire la mission Daily en même temps, parce que... Faut que... Quitte à faire. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez venir? Je dois vous buter. Ah bah d'accord, il y a des trucs qui sont au sol. Ok. J'ai rien fait. Je viens juste de finir préparer la caisse. Manque plus que les pièces détachées de bandits. Encore une poignée et on sera bon. Il y a plein de pièces qui sont par terre. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils sont morts? Les gens ils se sont tués d'eux-mêmes? Genre, j'ai rien fait, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait, les mecs? Continue! Encore quelques bandits à carboniser et t'auras une caisse toute neuve! Les sans-pitié vont rien voir venir! Joël, en action! Ah, c'est invincible. Apparemment, c'est invincible. Ok, bon bah, du coup, on va pas... Bon bah, on va pas s'en occuper, hein. Si c'est invincible, ça ne compte pas. Ok.
Arrête de me toucher. Bien, 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 bien. Il me manque des pièces, mais ça peut se faire. Du coup, il y a des trucs absurdes, genre « Bonjour, Monsieur P, ça va ?»« Ok, Monsieur P, il est mort. » Pas pourquoi, mais il est mort. Ah mais non, il y a une pièce là-bas, attends. Ah si, je peux peut-être aller la chercher. Ça peut peut-être se faire. Hop là. Ah, bonjour, Monsieur, là-bas. Taupinière, Taupinière, tu vas te faire. T'as une caisse de bandits ? Presque. Roland peut tenir le coup face aux sans-pitié, mais en général, j'aime pas le laisser se faire torturer au-delà du raisonnable. Du coup, il va rester un truc là-bas. Bonjour monsieur. Attention, Brutas ! Salut Henri. Tu te présentes, tu t'appelles Henri. Tu voudrais bien raconter ta vie et glander. Le véhicule avec un machin dessus. Ok. Ça fait tellement rien, mes grenades. Ridicule. Attends deux secondes, hein, je te tue, hein. Tu attends et j'arrive, hein. Papa, il fait son taf, hein. Papa, il fait son taf, il fait son taf, hein. Voilà, merci. Nu. Ah non, pardon, ça se. Il me faut toujours un tas de cendres, hein. Moi je vais être. Attends. Je lance requête sur moi ? Non. Non, je sais pas pourquoi, je. Non. C'est dommage que j'arrive pas à trouver une meilleure arme incendiaire, hein. Énorme. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça me serait vachement utile. Alors, il y a les gens qui sont morts, partout. Je sais pas pourquoi. C'est pas de ma faute en plus, des fois. Genre c'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est pas moi. Alors attends, est-ce que je vais pas être par contre... T'as des pièces détachées ? Génial ! Apporte le matos ici que je te fasse la totale. Alors, ouais, c'est spécial là quand même. Hein. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi il bug comme ça, mais... Hey. Véhicule de bandit. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est absurde. Bon, je vais voir Ellie. Peut-être qu'elle va me débloquer le véhicule. J'en sais rien. On verra. Alors, on fait fi de tout ce qui peut nous attaquer. On fait fi de tout ce qui peut attaquer notre vie. On ne fait pas attention, on passe. Bon, à part s'il nous tire dessus. Mon Dieu, on peut pas être tranquille, hein. Mon Dieu, on ne peut pas être tranquille, quand même, hein. Ah, je ferais dire que c'est pas chiant, hein. Cours sur patte. Tu cours sur patte Digistruck, on est d'accord. Allez, crame, 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 crame. Merci. Ça sert à rien. Pas grave, pas grave. Pas grave, pas grave. Oh le beau. Oh Polo. Non, non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille.
Je ne suis pas là. Prenez pas attention de moi, je ne suis pas là. Bon, finir la mission de l'autre. Pas ce qu'il va me donner, je sais pas ce que ça va faire, mais... Non mais... C'est bon ? Je te prends comme ailier quand tu veux. Ok, non, 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 il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de combat, hein. Calmez-vous. Voilà ta caisse comme neuve. On va faire quelques modifications et tu pourras y aller. Hop. Sentinelle en place. Bon, du coup, faisons le truc. Voilà. Wow, c'est la classe. On n'a plus qu'à l'obtenir à l'aide du système autolock. Ouais, ouais, ouais. Cool. Tu peux faire quelque... T'as vu mes bouchons de radiateur sur les bagnoles des Odek? Oui, oui. Mais leur design est canon. Je vais manger un truc, je reviens. Lire quelques caisses et me rapporter leurs bouchons. Et dis à Scooter de plus foutre le feu à mes clients. Je sais me défendre. Ok. Je vais pousser dans le vide, ce sera très drôle. Je vais mourir. Il se passe des trucs mystiques. Salut Saturne. Salut Flynn. Oh. Flynn qui joue pas le beau jeu. Il meurt pas. Excuse-moi, Rackman. Tu dois te tuer. Allez, Rackman, tu peux mourir? Merci. Bon, je vais recharger. Il y a des bruits, ça veut rien dire. Évitons tout malentendu. Cible assez menée. Pas des meilleurs. La plupart de ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers malchanceux. Satisfait ou je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit. Cadencé, c'est un ennemi. Oh, je l'ai eu. Cool. Wow, c'est... Wow. Encore un Rackman. Oh là là. Aux armes de Rackman. Oh, je vais jeter toutes mes grenades en vain. Hein, ça Rackman qui a décidé de se casser parce que c'est un pleutre. Ah, c'est bon, t'es revenu. Oh mon dieu, ouh, c'est bon. Pluton, c'est pas une planète. Et comme il a fait une jeune... Arrête de dire que Pluton, c'est pas une planète. Pluton est une planète. Oh, alors ça, ce sera tellement mieux. Ah, ça va tellement m'aider quand je l'aurai. Hein? Quoi? J'adore ton style.
bouchon. Hein, quoi? Ah! Il y a un truc qui est tombé. J'ai rien fait. Pas moi. J'ai rien fait, j'ai tué personne. Ma toujours dit que si je perdais du poids, je ferais plus d'effets aux mecs. Comme quoi, les idées reçues. Tous ces gars qui prennent la pause pour se faire remarquer. Et j'ai même pas bougé le petit doigt. Genre, j'ai rien fait, moi. Hein. Allez, peux-tu mourir? Petite Saturne. Pluton, c'est pas une planète? Ouais, mais Saturne, c'est un mob. C'est un mob dangereux. Apparemment. Alors, regardons un petit peu ce qui s'y trouve. Sur le chol. Par de l'argent. En quantité effroyable. Nul. Nul. Énorme. Ah, c'est moins bien. Oh, une meilleure grenade. Enfin. Enfin, une meilleure grenade. Ça fait 3 plombes que j'attends ça. Et c'est nul. Bon. Il faut que je prenne un véhicule et que je bute d'autres véhicules. Normalement. Normalement, c'est censé se passer comme ça. Mais, je veux te dire que ce n'est pas le cas. Il faudrait peut-être comprendre un jour que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Les véhicules ne pop pas de manière naturelle. En fait, je vais déjà avoir tout à ramasser, ça va être absurde. Ah bah alors ! Le véhicule de Brandy Brutus ! Hop, et on ramasse. Ça me rappelle mon arrivée dans la région. J'ai vécu à Sanctuary pendant un petit moment, mais j'avais toujours Moxie sur le dos. Fallait bosser pour elle, mettre du maquillage, perdre des kilos. J'avais besoin qu'elle me lâche, alors je suis partie vivre seule. Et puis j'ai wow, oula, le véhicule, il n'en peut plus. Le camion monstrueux. Ok. Bonne aide, 3.0. Ça va? Là tu vas être Shredder aide, plus que bonne aide. T'as vu le style? On dirait un aigle qui brûle dans la nuit. Sauf que c'est un oui. Aigle qui pèse 30 kilos avec des nichons qui dépotent. Hein? Qui m'attaque? Qui est là? Qui est là? Ouh. Pas de quartier. Oui, attendez, je descends, monsieur. Attendez, je... Je ne sais pas où vous êtes. Ah, je pense que tu es bugué. Bon. C'est pas grave. Tu peux y arriver quand même. Je crois en toi, mob. Je crois en ta capacité à te retourner. Oh là, oh là. Ça y est, on a re un véhicule. Il vient de péter, donc j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Le stuff il tombe par terre, c'est pas de ma faute. Oh, je viens de te rouler dessus. Ça va les gars? Là je vous roule bien dessus. Ça vous fait pas du mal? Ah, le Tiny Tibiaman, il est invincible. Ok. Bon, où est le stuff? Là. Merci. Excuse-moi, Ralph. Bon, le dernier morceau, il est où? Ah, il est là. Wow, le camion monstrueux, tu vas te calmer. Oh là là, le bordel qu'il fait. Wow, ça vole, ça fait des trucs. Il se passe plein de choses à l'écran. Et voilà. Soyez pas impatients, ça va arriver. Oh, un homme torse nu.
Ouais, j'ai eu l'homme torse nu. Oh, un tas de cendres. Parfait. Comme ça, j'en ai... Ah, j'en ai que 4. Ah putain, je crois que c'était mon cinquième. Je suis déçu. Je suis très déçu de moi-même. Quoi ? La voiture, ça compte pas ? Oh. Crade. Crade, crade, crade. Mais il y a trop de monde ici, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai autant de personnes ? Le dos. C'est passé quoi ? Il s'est passé quoi là pour que ce soit aussi fantastique ? Qu'est-ce qui se passe pour avoir autant de monde ? C'est... Bon là, à la fin, ma vie, elle a fait... Non, non, mais tu déconnes. Tu peux pas être autant. Hein. Pourrais-je avoir un véhicule, s'il vous plaît ? Merci, madame. Allez, banque du sang. Ok, c'est joli. C'est un beau rouge. C'est un beau rouge. What ? What ? Pourquoi ? Excuse-moi, Captain Flint. Je te roule un peu dessus. Légèrement, hein, mais... T'inquiète pas, hein. Pas qui tire du robot. Le mec il se prend pour un Gundam. Wow, tout doux. Tout doux les mecs. Ok, je sors l'artillerie lourde. Pour la maman de Dokuno. Comme ça. Toi, du pareil. Au même. Pourquoi pas, hein. Ah, tu vas survivre, hein, mon petit. Ah, il survit, hein, le petit. On a beau dire. Il survit, le petit golem. Voilà, t'as survécu, mais t'es pas à la vie. Non mais... Il y a des limites quand même. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non, pas intéressant, pas intéressant. Ok, c'est bon, je peux rentrer. Avant de me refaire harceler par tout le monde. Et apparemment, je peux pas être tranquille. Oh... Bon, faire la mission. Eh, j'ai quand même réussi à faire quelques missions. Ils sont un peu partout dans le garage. Tu vas voir l'endroit de beau gosse que ça va être. J'avoue, j'ai quand même réussi à faire 2-3 trucs. Hein. Même happy. Quand les clients viendront, ils verront tout ça et ils feront « Ouais, ça, ça va !» Celle-là, c'est ma préférée. Sexy. Elle est pas mal. Bonjour, merci. Explosion, vol, déco intérieur. Turbo. Journée palpitante. C'est nul les turbos. Merde, c'est où ? Bien. Est-ce que je m'arrête là ? Est-ce que je m'arrête là ? Parce que là, je pense qu'après, ça va être le dawa. Ça va être le dawa, mais de manière pas possible. Eh, hey, j'ai un skin que je connaissais pas. Oui, j'oublie que j'ai des trucs des fois, hein, je suis honnête. J'ai toujours pas fait ça, et j'ai ça à faire. Cool. Eh ben, on va prendre une voiture.
On va la prendre. Char. Voilà. Et voilà. Absolument pas celle que j'avais, mais c'est pas grave. Ok. Bonjour Saturne. Au revoir Saturne. J'ai envie de jouer avec toi. Allez, on va faire un coup de klaxon. Gaston, il y a le klaxon qui fond, mais il n'y a jamais personne pour klaxonner. Ça veut rien dire. Alors. What? C'est une des nôtres. Ouvrez la porte pendant que je recontacte Hyperion. Allez, ouvrez. Ouvrez que je vous tue. On s'est fait avoir. Tuez-les. Il me saoulait tellement à pas crever avec les flammes. C'est si dur que ça, quand même. C'est si dur de vous faire crever avec des flammes. Bonjour le charnu. Bonjour le charnu. Bonjour le sorcier nécrotique. Toujours pas de tas de cendres. Une déprime. Je veux mon tas de cendres. Ah, là, là, là. Ah, on peut pas être tranquille, hein. Et j'ai un fucking Saturne. Bien, bien, non, non, bien. Ok. Oh là, je viens de me kill. Ah, je viens de me mettre un truc méchant. Excuse-moi, sorcier. Je peux te tuer ? Merci. Excuse-moi Saturne, hein, j'arrive. Merci. Oh, je me suis enlevé le plus gros du boulot. C'était pas difficile. Le tueur. Ouais, j'ai fait plein de trucs. Je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai tué tout le monde. Et ça allait assez vite, hein. Ouais. Des fois, je suis efficace, hein, on croirait pas. Hein. Des fois, mon efficacité n'est plus à prouver. Hein. Quand je passe quelque part, ça nettoie les tâches. Un jour, je vais trouver un pistolet, mais ce sera quand j'aurai fini la mission et que ça va me saouler. Oh, je le prendrai, mais bon. Ça va légèrement me saouler. En plus, il y a des armes mieux, quoi. Alors ça, je pourrais le prendre. Déjà débloqué. Oh. Mais... Alors du coup, là normalement c'est je sais plus quel boss. On va voir quel boss c'est à la place. Est-ce que ça va être un mec ridicule ou est-ce que ça va être un mec surpété? On sait pas, on verra. Attends, j'ai regardé ça. Pas du tout. Oh, tas de cendres. Oui. Je sens que le faucon ardent rayonne. Oui, sur nous. Je vais pouvoir la finir cette mission. Alors attendez, je vais monter. Sale gueule. Ah oui, sale gueule. Voilà. Badmo. Badmo, tu es qui à la place? Est-ce
que tu es Badmo ou est-ce que tu as un petit nain sur le bouclier? Non, peut-être, peut-être pas, on sait rien. Et c'est joyeux. Alors, oui. Tu vois? McNally. Alors, du coup maintenant, je peux enfin... À la limite, je pourrais aller chercher le pompe que j'ai vu traîner tout à l'heure. Attends, il est où le pompe? J'ai vu traîner. Je crois qu'il est par là. Ah là, j'ai un beau pompe maintenant. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, du coup, c'était pas mauvaise gueule. Sale gueule. Je suis désolé pour lui, hein. C'était pas lui. Mais je veux quand même aller chercher les objets. Non mais... Non mais les dents... Peut-être un bon truc là, dans l'eau. Je sais pas, on sait jamais. Bon, du coup... Je suis arrivé là, enfin. Enfin, enfin. Oui, portable. Qu'as-tu? Info EDF. Bien, du coup, on est arrivé à Bloodshot Stronghold. Il va être soit très compliqué, soit ça va se passer. Mais ça dépend, parce que s'il y a des ennemis énormes dans le niveau... Ça va vous dire, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. On va regarder un peu hein, comment ça se présente. Si ça se trouve, ça va être très... Ah oui, non, du coup, je vais y faire l'autre mission, c'est vrai. Roland doit être quelque part par là. Je suis sûr que tout va bien se passer, mais s'il arrive malheur à Roland, débrouille-toi pour que Roland n'ait rien. Où est le TP? Non, il y a un TP ici. Ah oui. Je suis fatigué, moi. Du coup, Osborne Canyon, pour faire la quête. On va essayer de voir ce que ça donne. On va essayer de voir le cochon drone. C'est horriblement loin à charger, mais j'y peux rien, hein. Je ferais bien quelque chose, mais ça s'appelle enlever le mode, et j'ai pas envie. Je m'amuse bien avec. C'est fun. Même si peu de gens le peuvent le penser, ou même ça, là, ça me fait juste vraiment marrer, moi. Alors, tu verras Roland. Non, je vais faire l'autre. Excuse-moi le jeu, hein, j'ai autre chose à faire. Allez chercher l'autre. Bon. Bonjour, bonjour, j'ai fini ta mission. Ces enfants connaissent une extase dont oui, je oui. Ne peux tu verras d'autres dieux. Tu ne verras d'autres dieux que. Non, non, oui. Nouvelle torche. Oui, vaincre brûlure. Allez, on y va. Les enfants qui ont trahi leur seule vraie mère, le faucon ardent. Ils adorent un demi-dieu païen du nom impie de brûlure. Je t'implore. Oui, oui, je vais le faire. Cet imposteur. Tu me laisses 2 minutes. Tu me laisses 2 minutes et j'y vais. On s'en fiche s'il trouve quelqu'un d'autre à adorer. Écoute, joue le jeu. Clayton doit avoir toute confiance en toi. C'est notre seule chance d'apprendre s'il projette quelque chose que nous devons empêcher. C'est nul. Tom Gunn. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas génial, hein, quand même. Ouais, c'est peut-être adapté à d'autres ennemis, celui-là. Alors, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Ça, c'est bien. Cool. Tu me laisses 2 secondes, hein, sorcier démoniaque. Faut que je te tue, hein. Voilà. Il y a énormément de monde. Tout le monde a fait popper tout le monde. C'est fantastique.
ça veut rien dire ce qui se passe à l'écran. Il y a Roscoe, il y a machin, il y a truc. Oh là là, oh le jeu. Oh le jeu, oh le jeu, il peut plus. Oh le jeu, il en peut plus. Oh là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, jeu? Fasse quoi maintenant? S'il te plaît, Ordi, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tu peux survivre. Je sais pas comment. Eh ben non, le jeu a planté. Bon. Ça va être le message pour s'arrêter, hein. Donc, bah du coup, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à une prochaine fois, et bah voilà. Je vous souhaite une bonne journée.